Sainteté, sainteté, je désire. Sainteté dans ma vie. Oh, sainteté, tu cherches en moi une vie de sainteté, de sainteté. Tout le monde chante. Oh. Sainteté, où je désire sainteté dans ma vie. Je réponds au nom de Hyacinthe Adjaté. Et j'ai suivi avec beaucoup d'attention ce programme et surtout les deux jours de conférence organisés ici. En venant à ces deux jours de conférence, je me disais, mais j'ai déjà suivi 3 jours de séminaire, qu'est-ce qu'ils ont encore à nous donner? Mais j'ai compris que ces 2 jours ont été, on dirait, comme un marteau qui a brisé en moi toute ignorance que j'avais. Sans mentir, j'ai été fortement édifié. Et seulement quand j'étais ici, et par rapport aux enseignements que j'étais en train de recevoir, je pensais à mes frères qui sont encore restés dans l'ignorance. Je me demandais comment ils peuvent recevoir cette parole, pourquoi ils ne sont pas là, pourquoi ils ne sont pas là pour écouter. Parce que cette parole, en réalité, ça ne se donne pas n'importe où. On ne croise pas ça n'importe où. Et moi, je peux dire que c'est la première fois de recevoir de tels enseignements, très, très approfondis, qui ont enlevé, on dirait, un voile sur mon ignorance. Je me disais que j'étais vraiment chrétien, mais en suivant ces enseignements, j'ai compris qu'il me manquait beaucoup de choses. Et ces choses m'ont été apportées par ces enseignements que j'ai reçus. Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, que comptez-vous faire aux autres frères qui sont dans l'ignorance, aux soeurs qui sont dans l'ignorance, après avoir reçu de tels enseignements? Oui, déjà, vers la fin, par rapport même à l'exhortation que l'évangéliste Jean Gratien nous a donnée par rapport à l'évangélisation, c'est-à-dire, en étant assis à ma place, je me suis dit, voilà le défi que je dois relever, c'est que ce message doit aussi arriver à mes frères, à mes proches qui n'ont pas pu faire le déplacement ici. Ça, j'ai pris ça comme un défi personnel, parce que si aujourd'hui, et déjà, en étant ici, je pensais même à mes frères qui sont... Gloire à Jésus. Je pensais à mes frères qui ont déjà quitté ce monde. Ils ont quitté ce monde dans l'ignorance. Et déjà, j'étais en train de penser au lieu dans lequel ils se trouveraient actuellement. Parce qu'ils n'ont pas reçu de tels enseignements, ils n'ont pas reçu de tels messages avant de quitter ce monde-là. Aujourd'hui, vraiment, c'est comme si moi, je suis déjà sauvé et qu'eux, ils n'ont pas eu cette chance-là. Donc, je ne veux pas laisser que les autres frères suivre le même chemin. Gloire à Jésus. Je dois aujourd'hui impacter, c'est-à-dire aller vers eux pour leur annoncer la bonne nouvelle. Nous invitons ceux qui sont vivants, pendant qu'ils sont vivants, de s'accrocher à ce message, voilà, de venir à la sainte doctrine, de ne pas endurcir leur cœur parce que les temps sont finis. Que le Seigneur vous bénisse, merci, vous fortifie et que vous soyez davantage impactés par le reste du programme. Soyez bénis. Shalom. Amen, amen, shalom. Gloire à Jésus. Amen. Shalom, shalom, sœur. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Veuillez vous présenter et dire ce que vous avez retenu, ce qui vous a impacté pendant cette grande conférence. Du coup, Jésus revient ici à Togo 2000. Shalom, shalom. Peuple du Seigneur, je vous salue dans le précieux nom. Je me présente, c'est Madame Lakaza Angel. Je remercie le Seigneur beaucoup pour ce séminaire de 2 jours qu'on a fait, ce conférence de 2 jours qu'on a fait au niveau de Togo 2000, dans la capitale du Togo.
Et l'enseignement qui nous est donné, ça m'a beaucoup fortifié parce que la sainte doctrine n'est pas enseignée dans les églises où nous avons quitté. Et je remercie le Seigneur que grâce à cet enseignement-là, je sais qu'il me reste beaucoup de choses dans le Seigneur. Et j'encourage mes soeurs et mes frères qui sont encore dans le monde de venir vers Jésus, de chercher l'authenticité de la parole de Jésus-Christ. Car c'est la sainte doctrine qui peut nous envoyer au ciel. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, vous allez propager ce message aux autres. Oui, c'est mon devoir de propager ce message aux autres parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a dit, je vous ferai de mes disciples, allez-y et prêchez la bonne nouvelle dans le monde entier. Et la parole nous est bien dit, sans ça, le monde ne sera pas touché. Et je suis appelé, tout le monde est appelé pour partager la bonne nouvelle authentique de la parole de Jésus-Christ qui est la sainte doctrine, le dépouillement, la sanctification et beaucoup de choses dedans qui va vous permettre d'hériter le royaume des cieux. Gloire à Jésus, que Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment, nous sommes émerveillés par ces impressions des frères qui ont retenu assez de choses pendant cette grande conférence. Et le Seigneur les a équipés de nourriture solide, d'enseignement spirituel pouvant les aider à baser leur foi sur la sainte doctrine. Donc, nous vous rappelons que nous sommes le groupe international d'évangélisation Jésus revient et notre mission est de répandre le message de l'évangile authentique vers les nations et aussi enseigner la sainte doctrine pour préparer l'église pour le royaume des cieux. Bien-aimés, vous allez vous présenter, vous allez donner votre nom et donner vos impressions. Oui, shalom, pendant shalom. Cette grande conférence, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a impacté et vous voulez dire à ce public qui nous suit à la chaîne Jésus revient TV. Shalom, shalom, serviteur de Dieu. Shalom, shalom. Et shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent aussi. Ici, c'est le frère Joseph Datapamé. Mon impression est que je suis débordé de joie. Je suis vraiment débordé de joie. Puisque j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je n'avais jamais même entendues. Et puis, moi, j'étais catholique. Donc, l'enseignement que nous avons reçu ici, au moins aujourd'hui, c'est le jour 2 de cette conférence. Et puis, bon, c'est que mon âme est contente. Mon âme est contente de tout ce qu'on a eu à enseigner ici. Donc, vraiment, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Puis, c'est même quand les serviteurs parlent même moi-même, ça sonne dans mon cœur. Et puis, ça me dit quelque chose que vraiment Jésus-Christ est ici. Donc, tout ce que vous nous avez enseigné là, bon, c'est vraiment la sainte doctrine. Puisque cette vérité, et aussi le frère qui vient de passer, il a dit quelque chose que quand il entend vos enseignements et autres, c'est-à-dire il a pitié et puis il ne sait pas comment sera la suite pour les frères qui sont dans les églises de la voie large. Donc c'est ainsi. De mon côté aussi, moi aussi, je pleure, mais Dieu va délivrer, Dieu va toucher aussi ces enfants qui sont encore dans l'ignorance. Puisque ici, nous vivons la sainte doctrine. C'est ici la vérité, vraiment. Quand on dit de connaître la vérité, que la vérité va nous affranchir, c'est ici la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Gloire à Jésus. Sa parole aussi est véritable. Alléluia. Sa est véritable. Et puis sa parole nous aussi connaîtrons la vérité. La vérité nous affranchira. Et vous avez attesté que la vérité qui vous a affranchi le plus, la divinité de Jésus. La divinité de Jésus. Reconnaître que Jésus est Dieu. Puis c'est avoir Alléluia. Ce que au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, nous avons eu à pratiquer cette Trinité. Donc aujourd'hui, c'est que c'est Jésus-Christ, celle qui est Dieu. Il est le véritable Alléluia. Dieu. Donc, que le Seigneur c'est mon impression. Okay. Que le Seigneur vous fortifie, demeurez ferme et mettez en pratique ces enseignements que vous avez reçus. Merci beaucoup et ça fortifie Amen. Aussi. Shalom. Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous fortifie. Nous avons notre bien-aimé qui veut donner ses impressions, ce qu'il a compris, ce qu'il a émerveillé, ce qu'il tient à faire, oui, par ses enseignements et aussi envers ses frères qui ne connaissent pas encore la vérité. Donc vous allez vous présenter et donner vos impressions. Shalom, shalom, c'est le frère Pascal, Jésus revient, Lomé, Toti. Donc, je suis très, très content ce soir pour l'arrivée des serviteurs au Togo. Groupe Jésus revient. Par les enseignements que j'ai reçus ici, je vois beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant. Et je tiens à remercier les serviteurs, notre serviteur Dr Silas, apôtre Paul, pasteur Apollos,
l'évangile Jean Grancier et autres. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Surtout, moi, je suis basé au niveau de l'évangélisation. C'est très, très important. Comment sauver? Parce que nous sommes sauvés aussi. Nous devons aussi évangéliser pour que les autres aussi rentrent dans la barque. Parce qu'en évangélisation, on va gagner beaucoup d'âmes. Donc, je tiens à fortifier tous les bien-aimés qui sont venus dans cette conférence Togo 2000. Donc, je tiens à vous fortifier. Après cette conférence, je vous prie. Et ceux qui nous suivent direct, je vous en prie, il faut évangéliser. Car nous avons reçu free. Il faut que nous aussi, nous partageons la même chose avec ceux qui sont dans le monde. Parce que beaucoup de monde vont rentrer en enfer. Mais ce que nous avons reçu aujourd'hui là, moi personnellement, ça m'a encouragé. Et moi je tiens. Et je tiens ma promesse que je ne vais plus rester les bras croisés sans évangéliser. Je vais faire tout possible pour que je puisse gagner des âmes pour le ciel. Donc je vous en prie aussi d'évangéliser pour gagner les âmes pour le ciel. C'est très très important. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Servant de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Nous voyons que vous êtes rayonnante, vous êtes remplie de joie. Vraiment, 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 vraiment. Je remercie le Dieu de gloire. Je remercie Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Ruth. Je suis là pour donner mon impression sur la conférence que le Seigneur même a organisée. Et vraiment, nous avions été enseignés, nous avions été instruits sur la saine doctrine. Nous sommes allés dans les profondeurs de la saine doctrine. Et vraiment, le peuple a été nourri pendant ces deux jours de conférence. Nous avions été vraiment nourris. Ce que nous pensions connaître de la saine doctrine, disons, on a compris que vraiment, il y a beaucoup de choses qui nous manquaient. Et le Seigneur vraiment a fait grâce. Il a révélé les profondeurs de la saine doctrine. Là, j'invite tous ceux qui nous suivent en direct, les bien-aimés qui sont invités, qui sont venus, de persévérer, de donner leur vie vraiment à Jésus, de suivre les pas de Jésus, Alléluia. De suivre les pas de Jésus, de marcher pour Jésus, de vivre pour Jésus seul. Parce que c'est la destination finale qui compte. C'est la destination finale qui compte. J'invite les frères et sœurs des églises de la Voie Large, nos amis des AD, nos amis catholiques, les bien-aimés des autres dénominations. Nous vous invitons à venir goûter, à venir comprendre la saine doctrine, à venir comprendre le message du salut. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Bien-aimés, soyez abondamment bénis. Amen, amen. Je vais vous poser une question. Pouvons-nous dire maintenant, au corps de Christ, que le réveil a lieu au Togo? Si le réveil a lieu, donnez vos impressions et confirmez cela au peuple de Dieu. Sinon, je réponds au nom de Jean Kwakwabia. Je ne manquerai pas de dire que le réveil a eu lieu au Togo. Vraiment, le Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, a fait son entrée. Et nous pouvons voir les impacts par des enseignements qui nous ont été donnés. Nous étions dans les églises de la Voie Large et puis nous avons manqué de connaître plusieurs choses. On nous a révélé ici la façon dont Satan a été chassé du ciel et par sa souillure, les parures par lesquelles il était paré au ciel, il a souillé la terre. Et aujourd'hui, c'est ce qui pullule dans les églises, souillant le corps de Christ. Il est important que les enfants de Dieu reviennent au Seigneur en se débarrassant de ces choses qui sont vraiment des obstacles au ciel pour eux. Et nous ne manquerons pas aussi de souligner que vraiment, avant d'aller au ciel, il faut vraiment que nous ayons de l'huile abondamment dans nos lampes, c'est-à-dire la parole de Dieu plus le Saint-Esprit qui nous conduira jusqu'à ce que nous ne voyons le ciel. C'est très important pour nous. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, vous êtes prêts à propager ce message à votre entourage, à vos camarades, à tous vos bien-aimés, pour qu'ils soient prêts aussi pour le retour de Jésus-Christ. Donc que le Seigneur vous bénisse. Shalom. À Jésus. Nous avons aussi une autre sœur qui va se présenter. Dis ses impressions par rapport à cette grande conférence de réveil sur la saine doctrine ici au Togo. Je suis la sœur Clémentine. Je bénis Dieu pour ce réveil au Togo.
parce que à travers ce réveil, nous avons découvert beaucoup de choses. Nous chrétiens, nous sommes souvent conscients de ce qui se passe physiquement, mais nous ignorons ce qui se passe avec notre âme quand nous prions beaucoup ou soit quand nous péchons. Et mes yeux sont ouverts par rapport à ce sujet pendant ce réveil. J'invite tous les frères et sœurs qui sont dans les églises de la Voie Large de venir à Christ et faire la volonté de Jésus pour qu'on gagne tous ensemble le ciel. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avions un dernier frère qui va clôturer la phase des impressions. Gloire à Jésus. Vous allez vous présenter. Shalom, shalom. Shalom, mon Dieu. Et vous présenter. Dites ce que vous avez retenu pendant cette grande conférence. Ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Alléluia. Je rends beaucoup grâce à Dieu. Je remercie beaucoup le Seigneur aussi pour la vie de tous ces serviteurs qu'il a utilisés vraiment pour nous expliquer des choses vraiment cachées qu'on n'a jamais eu à comprendre dans nos églises. Et j'ai compris par cette conférence que vraiment, ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui peut nous sauver, mais c'est de comprendre la parole et de la mettre vraiment en pratique par l'aide du Saint-Esprit. Et à travers le séminaire, j'ai compris aussi beaucoup de choses, surtout la divinité de Jésus-Christ. Qui est une puissance, parce que tout ce qui est révélé est une puissance de Dieu. Je vois que vraiment il y a eu beaucoup de transformations. J'ai eu beaucoup de transformations personnellement. Et j'ai eu la joie par rapport à tout ce que je recevais dans nos églises. Ça dit, tu peux recevoir la parole, on va te prêcher, mais tu ne vas pas sentir une transformation. Ça dit une joie, ça dit un changement. Mais par rapport à ce séminaire, je rends beaucoup gloire au Seigneur que j'ai eu beaucoup de transformations. Le Seigneur même en est témoin. J'ai été totalement touché par les enseignements, surtout par la révélation de la parole. Nous lisons seulement, auparavant on lisait seulement, même les églises de la théologie, eux aussi lisent charnellement, ils nous expliquent et on ne comprenait pas la profondeur, surtout la sainte doctrine. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Je rends beaucoup gloire au Seigneur Jésus. Je bénis le Seigneur. Soyez bénis. Merci. Gloire à Jésus. Peu de Dieu, vraiment, que le Seigneur vous fortifie. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour vous tous qui aviez pris votre temps depuis le début du séminaire, le début de la conférence, pour participer, pour suivre et partager aussi à vos frères. Nous sommes très joyeux et le Seigneur vous fortifie davantage à demeurer ferme, à demeurer fidèle à la sainte doctrine, fidèle à la vérité, fidèle au message du réveil. Et ce matin, vous avez eu le temps de bien comprendre les piliers du message du retour de Jésus, les piliers du réveil et comment se préparer pour le ciel. Donc, nous pouvons dire et nous pouvons nous assurer que vous avez eu tous les rudiments concernant le salut, concernant le renoncement, concernant la marche pour le ciel. Et le Saint-Esprit vous a communiqué sa science, sa sagesse. Demeurez ferme et mettez en pratique les enseignements que vous avez reçus. Alléluia, shalom, shalom. Peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue tous les frères et sœurs qui ont pris part à ce programme. Et depuis que nous sommes venus ici au Togo et qui participent depuis le premier jour jusqu'à présent, qui ont participé au programme de séminaire, qui ont participé au programme de la conférence, je bénis vraiment le Seigneur et pour vos vies et vous qui nous soutenez aussi dans vos prières depuis la maison et vous qui suivez de bout en bout tout ce qui se passe ici au Togo dans ce programme de réveil, je bénis vraiment le Seigneur et je prie vraiment que le Seigneur vous accorde la même grâce que ceux qui ont participé physiquement ont reçu. Et je m'adresse aux autres nations qui se préparent à nous accueillir, que vraiment le Seigneur prenne le devant de toutes choses pour que tout se passe comme ça se passe très bien ici. Que tout se passe aussi. Alléluia. Je prie aussi le Seigneur de
frères et sœurs du Sénégal qui nous attendent impatiemment. Et par la grâce de Dieu, tel que promis, nous nous préparons activement. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il tient le réveil en main et tout va se passer très bien. Le réveil aura lieu partout sur la terre. Par le nom de Jésus-Christ, je vous salue, c'est qui votre bien-aimé, évangéliste Jean Grassi. Shalom, 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 shalom. Dans ma vie.